Alors, pour peindre un mur, c'est simple. Déjà, prémunissez-vous d'un bac pour mettre votre peinture. Mélangez-la au préalable pour éviter qu'elle soit bien homogène. Il vous faut un pinceau rond pour faire les angles et un rouleau pour peindre le mur. Alors, pour commencer toutes les peintures, il faut absolument commencer par les angles. Que ce soit un angle de plafond, comme ici, ou alors un angle de mur, comme là-bas. Voilà. Donc, on commence par peindre l'angle du plafond, en faisant attention de ne pas laisser de bavure pour que, à la deuxième couche, ce soit propre. On revient toujours un petit peu pour ne pas laisser de bavure. On n'hésite pas à en mettre, surtout que là c'est la première couche. Donc en première couche, sur du placo, on n'hésite pas à en mettre. Puis, on prend le pinceau, on le roule dans la peinture et tout simplement, on vient l'étaler sur le mur. Dans un premier temps, dans ce sens, et on recommence cette étape à chaque fois sur votre mur jusqu'à la fin.